D'abord, tu peux lui donner quelque chose, non? Par amour, quoi. Non, tu n'arrives pas forcément de lui prendre quelque chose. Eh ben, tu peux lui offrir des voitures, on refuse pas. Tu peux lui offrir ça, mais sans attendre quelque chose, sans rien penser, tu peux faire ça. C'est pas forcément, il te donne quelque chose, il te prend le geste. Ça, c'est un peu moche. Ok, merci. Il y avait un camarade qui me disait que je suis gaucher, que les gauchers sont beaucoup valorisés dans le domaine du handball. Il m'a appelé de venir faire les entraînements et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait les entraînements. Au début, mon père me disait que non, que l'entraînement, je vais là-bas pour m'amuser, que ça ne vaut rien. Non, moi, ce qu'il a dit, je prenais pas ses paroles au sérieux. Je voulais lui montrer que je pouvais devenir quelque chose dans le handball. Quoi. Donc, je me suis mis au sérieux. J'ai commencé par travailler dur. Et banalement, on m'annonce que j'ai été retenu pour une sélection. J'ai eu 16 ans qui vont partir à Nantes. Donc quand j'ai appris certains joueurs, j'ai annoncé ça à mon père. Il ne croyait pas, il me disait qu'on allait pour s'amuser et qu'il nous mentait que comment on va jouer au handball pour aller à Nantes, que les Béninois, qu'est-ce qu'ils vont aller faire en France. Donc j'ai continué, j'ai pas pris ces paroles au sérieux, j'ai persévéré et on nous annonce qu'on va partir à Cotonou pour aller faire la sélection. Donc comme ça, il me donnait l'argent de déplacement. Arrivé là-bas, il me donnait l'argent pour revenir. Donc je me disais, il travaille pour me donner l'argent de déplacement. Et comment je fais pour lui rendre tout cet argent?
comment je vais faire ça? Je ne dois pas m'amuser quoi. Avec tout ce qu'il a fait pour moi comme ça, il faut que je persévère pour lui montrer que vraiment, là, qui a dépensé ça, c'est pour quelque chose qu'il a dépensé ça. Donc comme ça, j'ai travaillé à ça, regroupement, on nous rappelait pour venir. Hier soir, mon père m'appelle pour me dire que j'ai été retenu pour aller à notre famille sur 57. Les 14 qui m'ont parti à Nantes, j'ai été retenu. Vraiment, j'étais joyeux et je me sentais fier de moi quoi. Je me disais que oui, j'ai montré à mon père que vraiment, tout ce qu'il faisait, c'était pour rien, qu'il n'allait pas pour s'amuser. Aujourd'hui, maintenant, il est très fier de moi et c'est ça qui me. C'est ma joie, ça quoi. Quand je jouais, mon papa me disait non, ce que tu fais là, c'est pas bien, j'étais amené à l'école pour étudier. Bon, mon papa ne voulait pas que je joue. Pourtant, je continue. Bon, il y a des coachs qui m'aimaient et ils m'aidaient. Donc, après, on a eu des matchs, je suis allé et ça a donné. Et quand je suis venu, c'est que j'ai apporté de la joie à la maison. Là, mes parents ont su que non. Bon, cet enfant, ce qu'il fait, ça peut être le don. Et mes parents m'ont laissé. Ils ont même dit don. Tu peux faire ce que tu veux parce qu'on ne sait jamais. Peut-être ce que tu veux faire demain pour devenir un milliardaire. Quand j'ai commencé, mes parents voient que je suis en train de perdre mon temps d'aller au terrain tous les jours. Je suis en train de perdre mon temps. Mais quand j'ai commencé par rencontrer des enseignants qui ont parlé avec mes parents ont commencé par me laisser jouer. Quand j'ai rentré en classe de 6e, ils ont emmené classe sportive. Et j'ai rentré dedans. Quand j'ai arrivé à la maison, j'ai dit ça à mes parents. Et ils ont dit, vous n'êtes pas venu sur classe sportive. Alors qu'on s'entraînait mercredi, vendredi, samedi. Quand ils ont sorti à la maison, moi, je viens s'entraîner. Quand j'ai arrivé à la maison, ils me tapent. C'est à cause de l'entraînement que tu as échoué à l'école, n'est-ce pas? Et moi, je l'avais dit que l'entraînement ne m'a pas empêché. Il t'a laissé, il continue. Ok. Et c'est qui Très bien.